hasard. J'ai 28 ans. Je travaille exclusivement dans le théâtre, mais je m'intéresse beaucoup au cinéma, enfin à toutes les formes artistiques possibles de la scène vivante. J'ai fait le Conservatoire de Mons en 2008. Enfin, j'ai terminé en 2008. Et j'ai travaillé avec Vincent Guettal, ceci, sur Le Cocu Magnifique, avec Frédéric Dussen. J'ai récemment travaillé avec Christophe Sermet dans un spectacle qui a beaucoup tourné, Ma Médéa. Voilà, ça c'est ce que je suis pour le moment. C'est ce que j'ai fait en tout cas. J'étais encore à l'école, au conservatoire, en 2007. Et il y a mon professeur Frédéric Dussen qui m'a demandé de travailler dans une de ses pièces, Lucrèce Borgia, qui était un merveilleux souvenir, enfin qui est un merveilleux souvenir. Parce qu'on a joué un peu partout avec cette pièce. Et puis j'avais un très beau rôle, c'était Mafio Orsini, le frère d'armes de Gennaro. Le deuxième projet, c'était assez exceptionnel aussi, parce que c'est Dussen qui a écrit un rôle pour moi à l'opéra. C'était une version de la Bohème, mais pour jeune public. Et donc le chef d'orchestre demandait à tous ses enfants de venir une heure avant. Pour un moment, parce qu'à un moment, il se retourne et il regarde les enfants et il dirige, et t'as 1000 enfants qui tout d'un coup chantent avec les chanteurs professionnels. Et comme l'histoire de la Bohème, c'est une histoire où ça parle d'un écrivain, d'un peintre, enfin il y a un peu tous les corps artistiques, et donc du coup il a complété l'histoire avec un acteur qui prête serment de ne jamais trahir la parole. Et en plus, voilà, moi, donc, non seulement j'avais cette histoire-là, mais je traduisais bien sûr ce qui se passait en italien devant 1000 enfants. C'était vraiment une très très belle expérience. Ça fait 3 ans qu'on tourne avec ce spectacle-là. Donc déjà le fait de pouvoir tourner 3 ans avec un spectacle, c'est magique, parce que le spectacle bouge dans notre corps. On n'a pas le même corps quand on commence ce spectacle-là qu'après 3 ans. Et puis après, il y a des très bons acteurs aussi dans cette pièce. Il y avait Yannick Régnier, Anne Claire, Philippe Josette. Enfin, ce sont tous des grands acteurs avec qui j'aime travailler, parce que non seulement ils me donnent beaucoup, mais en même temps, quand je les regarde, ce sont des monstres à voir, et je pense que chaque fois ils réinventent ce qu'ils font. On a commencé au Cricolard, c'est un centre culturel flamand à Scarbeck, puis on a terminé à Rome. Moi je pensais jamais commencer l'aventure là et terminer dans les Ciboli, dans le théâtre Valier Occupato. Shakespeare, parce que je pense que c'est exceptionnel pour un acteur de jouer Shakespeare, parce qu'il a rien à jouer. Il a juste à dire ce qui est beaucoup plus grand que lui. Moi, je dis ce texte 30 000 fois jusqu'à ce qu'il tombe dans mes orteils. Voilà, mais je ne sais pas comment ça se fait qu'il y a ce cheminement-là. Je pense simplement que l'écriture devient chère, quoi. J'ai peur de travailler avec le psychologique ou avec... Je pense que chaque personne, que ce soit acteur ou pas acteur, a un arrière-pays plus ou moins important. Enfin voilà, mais aller penser à la mort de son père ou à la mort de je ne sais pas trop quoi pour tout d'un coup. Je pense au contraire que si on pense à ça, ça nous retire du jeu en fait, sur le moment même. Je pense que la fonction du théâtre, essentiellement, c'est une intensité du beau. Pour moi, il y a ça. Après, bien sûr que ça peut passer à travers le documentaire, le politique, ça peut passer à travers plein de choses. Mais pour moi, j'ai ce besoin de poésie, en tout cas. D'un endroit où il y a possibilité d'espoir. D'un espoir naissant chez chaque être humain. Je pense que tout sera terni. Je pense qu'on peut se priver de bouquins. On peut se priver de tout, on peut se priver de lumière aussi, et puis on peut mourir à 20 ans et pleurer toute sa vie. Enfin, je pense que le besoin d'être vivant, c'est d'être confronté à la beauté. Voilà. D'être heureux par rapport à ça. On est amoureux de quelqu'un parce qu'on le trouve beau, pas seulement physiquement, mais c'est que ça. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on dit le théâtre, c'est ça, et donc c'est une partie de l'âme. Mais pour moi, c'est pas du tout une partie de l'âme, c'est toute ma vie, moi, le théâtre.